Bonjour à tous, je suis Sergio Pérez-Réalité, directeur du Centre d'études avancées de la Université fédérale rurale de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, nous sommes à un débat spécial partagé entre les centres d'études avancées de la fédérale rurale et les collèges brésiliens des hautes études de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Thomas Piketty. Thomas Piketty, c'est professeur de l'École de l'économie de Paris et aussi directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi co-directeur de World Inequality Lab. Je voudrais ajouter que c'est un grand honneur pour nous de recevoir dans ce programme spécial Piketty qui a publié plusieurs bouquins. Dont les capitales idéologiques est sorti en France l'année dernière et ici au Brésil en avril dernier pour la maison Andressica. Donc, nous avons aussi la participation de Tatiana Roque. Tatiana Roque, c'est la coordinatrice du Forum Sciences Culture de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Est aussi professeure de philosophie à la même université et aussi vice-présidente du réseau brésilien du revenu de base. Et nous avons aussi le professeur Georges Flexor, c'est professeur de sciences économiques à l'Institut Multidisciplinaire et aussi professeur du programme postgrad en sciences sociales, développement, agriculture et société. Donc, on va commencer avec l'introduction du professeur Thomas Piketty et après on passe à la question de Tatiana et Georges. Thomas Piketty, une fois de plus, je vous remercie immensément de votre participation. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Merci, merci Sergio, merci à tous les trois et je voudrais dire d'abord que j'aimerais beaucoup, je préférerais de très loin être avec vous au Brésil pour discuter de tout cela et j'espère que voilà, nous aurons d'autres occasions pour nous voir pour de vrai à l'avenir. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long dans cette présentation parce que je crois que le but, c'est d'abord de pouvoir discuter, répondre à vos questions. Donc, je voudrais, dans cette présentation, dire quelques mots sur mon dernier ouvrage, Capital et idéologie. Donc, c'est de nouveau un livre consacré à l'histoire des inégalités, à l'histoire de ce que j'appelle dans le livre les régimes inégalitaires, qui pour moi sont à la fois des régimes de justification d'un certain niveau, d'une certaine structure de l'égalité ou de l'inégalité dans une société, et en même temps un régime institutionnel, donc un ensemble de règles légales, sociales, fiscales, politiques, qui permettent de structurer cette forme des inégalités. Et la conclusion principale sur laquelle j'insiste dans mon livre Capital et idéologie, c'est à quel point il y a, disons, des marges de manœuvre politiques et idéologiques considérables au sein des sociétés humaines. Et finalement, ce sont ces déterminants politiques et idéologiques qui sont sans doute les plus importants déterminants des inégalités. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un même niveau de développement économique ou de développement technologique, on observe en fait qu'il y a toujours beaucoup de façons différentes d'organiser la société, d'organiser le régime de propriété, le système éducatif, le régime fiscal, le système de frontières, c'est-à-dire les limites de la communauté politique dans le cadre de laquelle on s'organise et la façon dont on régule les relations avec les autres communautés politiques. Et là, il y a une indétermination que l'économie ou la technologie elle-même ne pourra jamais remplir. Et il y a cette imagination des sociétés humaines considérable qui ne va pas s'arrêter là, qui va continuer à l'avenir. Et j'essaye dans mon livre de montrer comment voilà, tous les discours un peu conservateurs consistant à naturaliser les inégalités, à les présenter comme naturelles et et généralement à présenter le monde présent comme la seule façon possible d'organiser les inégalités, eh bien ces discours sont en permanence battus en brèche par l'histoire et on observe
au contraire, tout au long de l'histoire, des transformations extrêmement rapides du niveau, de la structure, des inégalités entre classes sociales, et il en ira de même à l'avenir. Donc, j'essaye dans mon livre de multiplier les exemples historiques. Alors, je parle un peu du Brésil, mais insuffisamment, parce que mes connaissances, ma capacité aussi à lire les différentes sources et les différentes historiographies est fortement limitée par la faiblesse de mes compétences, en particulier de mes compétences linguistiques. Donc, je m'excuse vis-à-vis des lecteurs brésiliens sur toutes les insuffisances qu'il pourrait y avoir dans mon livre concernant le Brésil. De façon générale, j'essaie dans cet ouvrage de m'appuyer sur de très nombreuses recherches et en multipliant les exemples, de montrer cette diversité des trajectoires possible. Je parle de l'Inde, je parle de l'Afrique du Sud, je parle de la Suède, de la Chine. Par rapport à mon livre précédent, Le Capital au XXIe siècle, ce nouvel ouvrage est, je crois, beaucoup plus riche et beaucoup plus global dans sa perspective, avec toujours un prisme qui est d'insister sur cette diversité des possibles, une vision vraiment non déterministe de l'histoire. Je prends juste un exemple comme ça qui m'a semblé assez frappant. Un pays comme la Suède, que l'on regarde aujourd'hui comme extrêmement égalitaire, en fait, pendant très longtemps, a été incroyablement inégalitaire et même plus inégalitaire d'une certaine façon que les autres pays européens jusqu'au début du XXe siècle, et plus sophistiqué dans l'organisation de ces inégalités. On observe par exemple en Suède de 1865 à 1911 un système politique où les droits de vote, le nombre de droits de vote augmente avec le montant de vos propriétés, le montant de vos impôts. Alors seuls les 20% des citoyens les plus riches ont le droit de vote, seuls les 20% des hommes les plus riches ont le droit de vote, mais au sein de ces 20% les plus riches, vous pouvez avoir entre 1 et 100 droits de vote si vous avez suffisamment de propriétés, vous payez suffisamment d'impôts. Et même dans les élections municipales, en Suède jusqu'en 1910, il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire qu'un seul individu, et ça arrivait dans plusieurs dizaines de communes en Suède, avait plus de la moitié des voix à lui tout seul. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, même dans un pays très inégalitaire comme le Brésil ou dans les pays du monde, beaucoup de sociétés, de personnes riches ou de sociétés multinationales aimeraient bien pouvoir comme ça avoir beaucoup de droits de vote en fonction de leur propriété ou du montant de leurs impôts. Personne n'ose proposer ça aujourd'hui. Ben, c'était comme ça la Suède jusqu'en 1910. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ensuite, c'est uniquement une mobilisation sociale et politique très forte qui va complètement transformer le système avec l'arrivée au pouvoir du Parti social-démocrate dès 1932. Et ce qui est intéressant, c'est comment, et on voit ça dans beaucoup d'autres pays, comment une même capacité étatique, une même puissance administrative d'organisation de l'État va pouvoir être mise au service d'un projet politique complètement différent concrètement la capacité de l'administration de l'État en Suède qui enregistrait les revenus, les patrimoines pour distribuer les droits de vote en fonction du revenu et du patrimoine après 1932 au contraire va être utilisée pour faire payer des impôts lourd, parfois très lourd pour les personnes qui ont des hauts revenus, des hauts patrimoines, et pour financer un système d'accès à la santé, à l'éducation, qui sans être parfait, s'est révélé quand même plus réussi et plus égalitaire que tous les autres systèmes vus jusque-là. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres dans le livre permettant de montrer à quel point il n'y a pas de déterminant économique, technologique, il n'y a pas non plus de déterminant culturel. Cette idée que certains pays auraient une culture de l'égalité depuis toujours et d'autres une culture de l'inégalité depuis toujours, qui est des arguments qu'on pourrait entendre dans des pays fortement inégalitaires comme le Brésil ou comme l'Inde. Mais en fait, ce type d'argument ne tient pas. C'est-à-dire, quand on regarde dans l'histoire l'évolution des structures égalitaires, inégalitaires dans les différents pays, on se rend compte que ce sont d'abord des processus de mobilisation historique, sociale, politique qui peuvent transformer extrêmement rapidement les, les,
les structures, même si je sous-estime pas l'importance des crises politiques, sociales, l'importance des mobilisations nécessaires pour y arriver. C'est-à-dire que ça demande effectivement de très fortes implications individuelles, des organisations collectives, des partis, des syndicats. Ce ne sont pas des choses qui tombent comme ça, mais à travers la multiplication de ces exemples, on voit toute cette diversité des trajectoires possibles. Alors, pour la suite de cette présentation, je voudrais principalement insister sur trois conclusions qui ressortent de ce travail, et puis ensuite on pourra avoir une discussion. La première conclusion de cette histoire des inégalités, c'est que historiquement, la prospérité, le développement économique et social vient d'abord et avant tout de l'égalité, et notamment d'une certaine égalité face à l'éducation. C'est vraiment ça la clé de la prospérité historique, et non pas la recherche de toujours plus d'inégalités. Donc, premier point, ce sera ça. Deuxième point, j'insisterai sur le fait que la propriété, pour être vraiment propice au développement, a besoin de ne pas être trop concentrée, donc toujours un besoin d'une certaine égalité, et puis surtout on a besoin d'une circulation de la propriété, d'un partage du pouvoir, et je pense que pour le modèle de socialisme participatif que je présente à la fin de mon livre, essaye de pousser plus loin déjà un certain nombre de réformes qui ont eu lieu au cours du XXe siècle dans un certain nombre de pays, pour aller dans cette direction. Le troisième point, dernier point sur lequel je veux insister, c'est que même si je mets l'accent dans mon livre, dans mes travaux, sur une perspective, disons, universaliste en termes de redistribution, de réduction des inégalités, donc indépendamment des origines de chacun, il me semble très important en pratique de reconnaître en même temps, en plus de cette perspective universaliste, le besoin parfois de réparation, le besoin de lutte contre des discriminations extrêmement puissantes issues du passé esclavagiste, du passé colonial. C'est quelque chose qui est très important évidemment au Brésil, aux États-Unis, mais qui est très important aussi en Europe, même si les pays européens, et en particulier la France, le Royaume-Uni, essayent parfois de se démarquer des États-Unis, notamment sur ce point-là. En vérité, cette question des discriminations du passé colonial est extrêmement présente, et il faut absolument, je pense, articuler à la fois une vision, disons, universelle de la redistribution avec parfois le besoin d'insister bien davantage que ce qui a été fait jusqu'ici sur cette question des discriminations et parfois sur les questions de réparation. Alors, je reprends ces trois points rapidement et je les précise un petit peu. Premier point sur l'éducation, l'égalité. La source de la prospérité économique au XXe siècle, si on essaye de faire cette histoire du développement que j'essaye de reprendre dans mon livre, c'est pas la course-poursuite vers toujours plus d'inégalités. C'est pas ça qui a fonctionné. Ce qui a vraiment été la source de la prospérité, le moteur du développement, c'est d'abord une certaine égalité, et notamment une certaine égalité dans l'éducation. Ça, je veux vraiment insister là-dessus, parce que parfois, on entend dans beaucoup de pays, et parfois au Brésil en particulier, cette idée qu'il faut attendre de devenir plus riche, en quelque sorte, pour pouvoir se permettre de réduire les inégalités. Et en fait, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut justement se réduire les inégalités, avoir un système plus égalitaire pour devenir plus riche. Et en particulier, je voudrais dire que les États-Unis d'Amérique du Nord, les États-Unis sont parvenus au cours du XXe siècle à être la principale puissance économique mondiale, c'est du fait d'un ensemble de raisons évidemment extrêmement complexes, mais la question de l'avance éducative a joué un rôle absolument central. Je veux insister sur le fait que, par exemple, au milieu du XXe siècle, dans les années 1950, vous avez 80%, 90% d'une classe d'âge qui va au lycée, dans l'enseignement secondaire aux États-Unis, alors que en Europe de l'Ouest, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Japon, au même moment, on est à 20-30% d'une classe d'âge qui va au lycée. Et cette avance éducative, elle était déjà présente
au XIXe siècle, en fait, dès le début du XIXe siècle, on avait des taux d'alphabétisation très élevés en Amérique du Nord et en particulier aux États-Unis. Et c'est vraiment cette avance éducative qui a déterminé historiquement une avance en termes de productivité. Alors ça allait évidemment aussi avec ensemble une capacité étatique, et il y a évidemment dans l'histoire du développement économique et dans l'histoire de pourquoi les pays d'Europe occidentale et les États-Unis sont devenus économiquement dominants, un rôle de la contrainte coloniale, un rôle de la puissance étatique, et je ne veux pas ici chercher à tout idéalisé en expliquant que c'est l'éducation, les écoles. Mais disons, c'est l'ensemble qui a fonctionné. Et à long terme, c'est vraiment cette avance éducative et une certaine égalité dans l'avance éducative qui a été le moteur de la prospérité des nations. Alors, il y a eu une tentative dans les années 80 sous Reagan de développer un narratif historique complètement différent. L'idée que, en fait, en gros, pour résumer, Reagan a essayé d'expliquer que les États-Unis avaient été trop loin dans leur réduction des inégalités, trop d'impôts progressifs sur les hauts revenus sous Roosevelt, et qu'en fait, il fallait avoir plus d'inégalités pour développer une plus grande prospérité. Sauf que ça n'a pas marché. Et au cours des 30 dernières années, on a eu un abaissement très fort de la croissance états-unienne. Et plus généralement, je pense que cet échec, d'ailleurs, est à l'origine d'une partie des dérèglements politiques qu'on a observés aux États-Unis depuis, et en particulier une dérive nationaliste, voire très, très nettement xénophobe du Parti républicain, qui est aussi une forme de réponse au fait que la promesse de croissance par l'augmentation des inégalités n'a pas eu lieu, et ce qui a amené de plus en plus de responsables politiques, et pas seulement Donald Trump, à essayer de trouver des coupables, les Mexicains, la Chine, le reste du monde, accusés d'avoir volé d'une certaine façon la croissance à l'Amérique blanche. Mais au final, la conclusion, si on regarde l'ensemble de ces épisodes historiques, c'est que c'est vraiment bien plus que la course-poursuite vers plus d'inégalités, c'est plus l'éducation et une certaine égalité dans l'éducation qui avait permis aux États-Unis dans le passé d'être à la frontière de la prospérité économique mondiale. Et il en va de même aujourd'hui, les pays d'Asie qui ont cru le plus vite et qui sont en passe de devenir des puissances économiques dominantes, se caractérisent par des niveaux d'éducation et des pourcentages d'une classe d'âge allant à l'université extrêmement, extrêmement élevés. Donc ça, c'est le premier point. L'égalité, ce n'est pas un luxe de pays riches, c'est au contraire une condition pour le développement, et ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième point, l'égalité, ce n'est pas simplement en termes d'éducation, même si c'est sans doute le plus important, c'est aussi en termes de pouvoir économique, et ça passe notamment par la question de la propriété et par la question de la participation à la prise de décision économique, notamment dans les entreprises. Et donc, moi, j'essaie dans mon ouvrage de dresser des perspectives pour ce que j'appelle un socialisme participatif pour le 21e siècle, qui en fait est quelque chose qui consiste, alors c'est pas très imaginatif, ça consiste simplement à essayer de prendre les institutions sociales, fiscales qui ont bien fonctionné au cours du XXe siècle et d'essayer de voir comment on peut les pousser plus loin. Donc, je prends deux exemples. L'un, c'est la question du pouvoir dans les entreprises pour les représentants des salariés. Donc, je veux juste rappeler qu'il y a un certain nombre de pays, en particulier la Suède, l'Allemagne, dans lesquels les représentants élus des salariés ont jusqu'à 50% des droits de vote dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ce qui veut dire que sans aucune participation du capital, simplement en tant que représentant des salariés. Donc si en plus de ces 50% des droits de vote en tant que représentant des salariés, vous avez en plus une participation minoritaire au capital de 10 ou 20%, ou si une collectivité locale, un État régional a une participation minoritaire de 10 ou 20%, alors vous pouvez faire basculer la majorité, y compris face à un actionnaire
qui auraient 80% ou 90% des actions. Donc, c'est quand même un changement dans la logique actionnariale classique assez radical. Et en fait, ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que ça a plutôt permis en Suède, en Allemagne, d'impliquer les salariés, les représentants des salariés, dans la stratégie à long terme des entreprises. Et je pense que ça pourrait tout à fait non seulement être appliqué au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis, au Brésil, dans l'ensemble des pays du monde, mais on peut même imaginer des façons d'aller plus loin que ça, et donc je le discute dans mon livre, on pourrait appliquer ces 50% des droits de vote non seulement dans les grandes entreprises, mais aussi dans les petites entreprises. On pourrait aussi imaginer qu'au sein des 50% des droits de vote allant aux actionnaires, un actionnaire individuel ne puisse pas détenir plus de, mettons, 10% de ces 50% des droits de vote allant aux actionnaires dès lors que l'entreprise devient suffisamment grande, mettons au-delà de 100 salariés, et puis bon, pour des petites entreprises, là par contre, un actionnaire unique qui serait en même temps salarié de l'entreprise pourrait avoir un peu plus de 50% des droits de vote, mais dès que l'entreprise augmenterait en taille, il faudrait convaincre au moins une partie des salariés de la direction dans laquelle on souhaite amener l'entreprise. C'est-à-dire, la philosophie générale, c'est que la petite propriété privée ou la propriété privée d'ampleur raisonnable peut être et constitue une institution sociale et économique utile pour coordonner les projets individuels, les subjectivités individuelles, mais que dès que l'entreprise augmente de taille, on a besoin de cette délibération, de cette circulation, de ce partage du pouvoir. La seconde façon d'obtenir une certaine circulation du pouvoir et de la propriété, c'est à travers la fiscalité. Et donc là, je m'appuie notamment sur les expériences d'impôts très progressifs sur les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines hérités, expérimentations qui ont eu lieu au XXe siècle dans un grand nombre de pays, y compris en Europe, en Suède, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, mais aussi et peut-être surtout aux États-Unis, qui pour le coup ont été très loin. Je voudrais rappeler que sous Roosevelt et jusqu'aux années 70, le taux d'imposition appliqué aux plus hauts revenus aux États-Unis et aussi aux plus hautes successions a atteint plus de 90% sous Roosevelt, ensuite a été réduit à 80%, 70%, mais si vous prenez la moyenne sur toute la période 1930-1980, le taux appliqué aux plus hauts revenus a atteint 81% aux États-Unis, et c'est uniquement pour l'impôt fédéral sur le revenu, il y a aussi des impôts des États qu'il faut ajouter à ça. De toute évidence, ça n'a pas détruit le capitalisme états-unien. Ça s'est appliqué de 1930 à 1980, qui était au contraire une période de très grande prospérité des États-Unis, de domination économique des États-Unis, tout simplement parce que des revenus ou des patrimoines mirobolants de plusieurs centaines de fois le revenu moyen ou le patrimoine moyen, en fait, c'est pas très utile pour le développement économique. Et donc moi, je propose de réhabiliter cette expérience, de refaire le bilan historique de cette expérience et d'essayer de s'en inspirer pour aller encore plus loin à l'avenir. Donc dans le modèle de socialisme participatif que je défends, en plus des droits de vote très importants pour les représentants des salariés dans les entreprises, il y a aussi cette idée d'un impôt progressif annuel sur la propriété, en plus de l'impôt progressif sur les revenus et sur les successions, qui permettrait d'assurer une circulation de la propriété, c'est-à-dire que dès lors que votre patrimoine dépasserait un certain niveau, vous devez rendre à la collectivité une partie de ce patrimoine chaque année, ce qui peut permettre notamment de financer un héritage minimum pour tous, que je fixe à 25 ans à 120 000 euros pour tous dans le contexte européen et de façon générale à 60% du patrimoine moyen, ce qui correspond à peu près au patrimoine médian, alors qu'actuellement les 50% les plus pauvres, en fait, que ce soit d'ailleurs en Europe, aux États-Unis ou au Brésil, ne possèdent quasiment rien du tout. Donc ça permettrait en gros de monter les 50% les plus pauvres au niveau du patrimoine médian, ce qui, je pense, couplé
avec un système d'état social, d'accès à l'éducation, à la santé, de revenus de base. Donc, il ne s'agit pas de remplacer tout ça. Hein, le système d'héritage pour tous est en plus de tout ça, mais ça permet d'égaliser les capacités de négociation, le pouvoir dans la société. Parce que avoir un peu de patrimoine, ça permet notamment de pouvoir dire non. C'est-à-dire, ça permet de ne pas devoir accepter n'importe quelle condition de travail, n'importe quel salaire. Le revenu de base peut faire ça aussi, mais ça suffit pas, parce que en pratique, le revenu de base, c'est pas très élevé. Et avoir un vrai partage du patrimoine de la propriété, ça permet d'aller beaucoup plus loin encore dans cette direction. Alors, je vais m'arrêter là en disant simplement quelques mots sur le dernier point que je voulais évoquer, qui est que en plus de cette perspective universelle sur la redistribution, il faut aussi prendre en compte dans le même temps le besoin, parfois, et en fait dans de très nombreux pays, le besoin de réparation, le besoin de lutte contre les discriminations. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les politiques que j'évoque, notamment, par exemple, là on parlait de l'héritage pour tous à 25 ans, c'est universel, c'est-à-dire ça concerne tout le monde, que vos ancêtres soient esclaves ou maîtres d'esclaves, riches ou pauvres, ça concerne tout le monde. Mais en même temps qu'on a cette vision universelle, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas continuer pendant des siècles et des siècles et pour les siècles à venir, faire la généalogie de tout le monde pour déterminer quels vont être ses droits. Donc cette politique universelle, elle est centrale. Mais en même temps qu'on favorise cette politique universelle, il me semble très important, dans un certain nombre de cas, de prendre à bras-le-corps la question des discriminations liées notamment au passé colonial, esclavagiste, et dans un certain nombre de cas, la question des réparations. Donc je parle par exemple dans mon livre de la question d'Haïti, qui donc était la Saint-Domingue jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, qui était la première grande révolte d'esclaves, et Haïti a dû payer à la France, à l'État français, des sommes considérables de 1825 jusqu'aux années 1950 pour avoir le droit de ne plus être esclave, hein, pour compenser financièrement les propriétaires français d'esclaves, et ça fait partie des héritages qui sont complètement oubliés en France, et où après on s'étonne qu'on déboulonne aujourd'hui des statuts de marchands d'esclaves, qu'on ait cette demande de discussion pour des questions de réparation. Et je pense que dans un certain nombre de cas, il faut prendre ces questions de face, envisager des réparations, tout en s'appuyant sur une vision de l'avenir qui soit avant tout une vision universelle. Et très souvent, notre discussion politique ou philosophique sur l'inégalité, soit est purement universaliste, soit est purement dans une logique de réparation. Et j'essaye, je ne sais pas jusqu'à quel point j'y arrive, mais j'essaye dans ce nouveau livre d'articuler les deux et de réfléchir aux formes que cela pourrait prendre. Je m'arrête là dans cette présentation et je suis très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Piketty. Merci beaucoup pour cette présentation fantastique. Je vais passer maintenant à professeur Tatiana Roquet. Avant, je voudrais dire que c'est un débat très spécial qui célèbre le centenaire de la Université fédérale de Rio de Janeiro et aussi les 110 ans de la fédérale rurale de Rio. Donc, c'est très, très spécial discuter avec ce thème des inégalités avec la participation du professeur Piketty. Tatiana Roque, la parole est à vous. Voilà. Bon, tout d'abord, j'aimerais vous remercier énormément. En fait, cette conférence aurait dû être faite dans ce cadre du centenaire de notre université aussi, de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. On n'a pas pu le faire, mais on a quand même cette occasion d'en discuter un petit peu plus de ces sujets si importants pour notre pays notamment. Et donc, dans votre livre « Capital et idéologie », vous analysez les séries historiques des préférences électorales dans plusieurs pays.
Et j'aimerais bien prolonger un petit peu la réflexion pour le cas du Brésil. D'ailleurs, on a eu des élections hier et toujours la gauche ne s'est pas très bien sortie. Et on note ici très nettement une préférence électorale pour la droite parmi les travailleurs informels. Et cela explique d'ailleurs la difficulté que nous avons eue à gérer la pandémie ces derniers mois. Et il y a, dans les sondages, ça apparaît clairement, un clivage donc entre la préférence pour la gauche ou la droite selon ces critères de formalité du travail. Face à cela, bien sûr que nous pouvons dire qu'il faut stimuler la croissance et la création d'emplois formels, comme on a toujours dit, mais cela n'a jamais fonctionné ici, en fait, de manière très stable, comme en Europe, où l'État social est né dans l'après-guerre, etc. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que pour nous, il ne serait pas plutôt le cas de concevoir un système de protection sociale qui ne dépend justement pas de la relation salariale? Je le demande parce que je soutiens, bien sûr, les revenus de base. Je suis vice-présidente du réseau des revenus de base ici. D'ailleurs, qui a eu un rôle spécial pendant la pandémie, c'est la seule chose qu'on a eu justement pour les travailleurs informels. Et vous avez l'air de préférer que les revenus de base soient encastrés au sein d'une société fondée sur la relation salariale, donc versée sur les bulletins de salaire. Or, il ne serait pas plus adapté dans un pays comme le nôtre de créer un nouveau système de protection sociale et dans ce système inclure le revenu de base, mais aussi des mesures de distribution des propriétés dont vous parlez très bien, et avec cela définir d'une nouvelle manière la protection sociale de façon indépendante de la relation salariale, comme ça a été d'ailleurs toujours notre cas ici. Voilà, c'est là ma question. Merci Tatiana. Piketty, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette question qui est vraiment, vraiment une question très, très intéressante et très, très complexe. D'abord, moi, ce que je voudrais dire, c'est que quand je propose que le revenu de base soit versé sur le bulletin de salaire, c'est uniquement pour les personnes qui ont un bulletin de salaire. C'est-à-dire que je cherche pas à dire qu'il faut que ce soit systématiquement à 100% le cas. Donc, dans les cas où la relation salariale existe, c'est-à-dire où il y a un employeur principal, qui n'est pas forcément d'ailleurs un employeur unique, mais qui est un employeur principal formel, enregistré. Alors effectivement, je pense que plutôt que le revenu de base soit versé par une administration publique de sécurité sociale, donc un autre payeur que l'employeur principal, ça me paraît préférable d'augmenter finalement le niveau de salaire versé sur le bulletin de salaire, parce que en fait dans l'immense majorité des cas, la vérité c'est que les cotisations sociales, les prélèvements sociaux, les impôts payés par le salarié sont en fait plus importants que le revenu de base qui va venir compléter le salaire, parce qu'on a besoin des prélèvements sociaux, des cotisations sociales pour financer la santé, les retraites, l'éducation, etc. Et ça représente en masse beaucoup plus de ressources, à mon sens, que l'aspect monétaire du revenu de base. Et donc, c'est pour ça que je pense que quand la relation salariale existe, il faut que ce soit versé sur le bulletin de salaire. Je pense aussi qu'il faut garder l'objectif de la relation salariale comme un objectif important. Mais en même temps, et là, je vous rejoins tout à fait sur ce que vous dites, c'est qu'il faut aussi pouvoir s'adresser à tous les travailleurs informels, à tous ceux qui ne sont pas dans cette relation salariale. Et je pense que ça a été une erreur historiquement très, très importante de la gauche en général et des partis, disons, socialistes, sociodémocrates, travaillistes, communistes, évidemment, de beaucoup trop s'axer sur le salariat comme la seule forme possible d'organisation du travail, le seul statut qui continuera d'exister à long terme, et à traiter les travailleurs indépendants comme une espèce de survivance archaïque qui va finir par disparaître. Et cette vision complètement, uniquement centrée sur le salariat a
a fait beaucoup de mal historiquement à la gauche en général dans tous les pays. Et donc, moi, je ne suis pas du tout dans cette vision-là. C'est pour ça aussi que j'essaye de valoriser la propriété privée, y compris la petite propriété privée. Alors, avec un partage du pouvoir avec les salariés, avec les différentes parties prenantes dans l'entreprise, parce qu'on peut pas se limiter aux droits qui vont avec la propriété privée, mais en même temps cette valorisation de la petite propriété privée et donc aussi du travailleur indépendant me semble très important pour, disons, renouveler le logiciel socialiste, social-démocrate et arriver à une vision un peu différente. Le dernier point quand même que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer, je pense, le travailleur indépendant qui crée une petite entreprise, etc., du travailleur informel qui, en fait, est dans une relation de dépendance très forte par rapport à un employeur ou donneur d'ordre principal, mais simplement qui est informel parce qu'on a, aussi laissé se développer tout un tas d'activités économiques sans chercher autant qu'il serait nécessaire à ce que ces activités soient enregistrées. Et là, bon, ça prend des formes différentes au Brésil ou dans d'autres pays, l'ampleur du secteur informel, mais je pense que dans un certain nombre de cas, une erreur qui a pu être faite, enfin une erreur, en tout cas, disons un choix qui a pu être fait dans un certain nombre de pays, c'est de pas suffisamment insister sur que le fait qu'avant d'avoir une fiscalité basée sur les revenus, les salaires, les bénéfices des entreprises, il faut absolument avoir une fiscalité minimale basée sur la propriété, et en particulier la propriété de la petite échoppe, de la petite exploitation agricole, de la petite fabrique, avec un impôt sur la petite propriété qui soit extrêmement léger, mais qui permette d'enregistrer les activités économiques. Et ensuite, ça, on peut développer des systèmes plus élaborés de fiscalité sur les revenus, sur les bénéfices, sur les salaires, de cotisations sociales. Mais de très nombreux pays ont été directement à l'étape fiscalité sur les revenus, sur les salaires, sur les profits, sans passer forcément par cette étape d'enregistrement des propriétés et des biens professionnels, ce qui a conduit à un secteur informel, non enregistré, complètement disproportionné par rapport à ce qu'on a pu, à ce qu'on a dans les pays aujourd'hui les plus riches, européens, nord-américains, mais aussi dans une configuration différente en Chine et bien sûr au Japon. Et je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas non plus renoncer à essayer de faire évoluer le secteur informel vers plus de formel à long terme. Mais je suis d'accord avec vous que dans l'intervalle, dans l'immédiat, il faut surtout s'adapter aux situations des personnes telles qu'elles existent et proposer des solutions, notamment en termes de revenus de base et de transfert, qui ne soient pas uniquement centrées sur les personnes qui sont dans une relation salariale. Merci beaucoup, Piketty. On passe maintenant la parole à Georges Flexor, en remerciant de votre participation aussi. Georges, s'il vous plaît. Votre micro. Ça y est, ça va. Premièrement, je vous tiens à remercier les organisateurs et en particulier aussi à l'exposant Thomas Piketty, dont j'ai eu le plaisir, grâce à cette invitation, de lire le livre. Et c'est un livre monumental et il y a certainement beaucoup de questions. Hein. Là, j'en avais deux, mais je vais essayer d'en poser une avant l'autre, qui fait un peu la suite de ce qui a été dit avant. Et elle tient à la relation entre droit de propriété et socialisme participatif. Le livre est emphatique, en particulier, sur la meilleure distribution, l'importance d'une meilleure distribution des droits de propriété. Mais
cela pose une... Cela, pour qui habite au Brésil, et j'imagine pour d'autres pays en développement, hein, ça pose quand même certaines questions. C'est que cela suppose, hein, pour redistribuer ces droits de propriété, hein, de deux choses l'une. Ou cela suppose un État, hein, qui a les capacités, ce que le professeur Thomas Piketty dit, la puissance publique. Hein, et donc, et ça, ce n'est pas un acquis. C'est quelque chose qui manque, hein, dans beaucoup de pays en développement, même au Brésil, qui est un pays moyen, développé politiquement, mais dans plusieurs endroits, il y a un manque de capacité de la puissance publique à créer, à établir, à protéger ses droits de propriété et sanctionner ceux qui les bafouent. Hein. Ah, et donc, ça, c'est une question. L'autre, c'est... ou alors, c'est le changement social plus radical, hein. Mais alors là, ma question, elle se pose, c'est dans quel cas, hein, si l'examen, hein, des trajectoires historiques et de leur multiplicité permet, hein, de savoir s'il existe, hein, des expériences de remise en cause, hein, des droits de propriété des 10% qui ne soient pas la conséquence, hein, de transitions sociales très coûteuses, hein, en particulier guerre, pandémie et autres transitions sociales très très coûteuses. Donc c'est ça ma principale question, savoir si dans l'étude, hein, des diverses formes historiques, le professeur Thomas Piketty peut nous fournir, hein, des exemples par lesquels l'État a pu construire, hein, ses capacités et sans que cela passe par un désastre social et économique. Voilà. Merci, Georges. S'il vous plaît, Thomas. Oui, alors, c'est vrai que si on regarde comment s'est produit la réduction des inégalités au cours du XXe siècle en Europe et dans une certaine mesure aussi aux États-Unis et au Japon, les deux guerres mondiales jouent un rôle central. Donc les choses se sont déroulées non pas de façon paisible avec voilà le suffrage universel menant à l'élection de gouvernement qui mettent en place paisiblement des réformes des droits de propriété. C'est pas ça le schéma général. C'est vrai que le schéma principal qu'on observe, c'est un schéma dans lequel on a en même temps des processus extrêmement violents liés à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la crise des années 30 qui vont beaucoup remettre en cause le capitalisme libéral du début du XXe siècle et du XIXe siècle. En même temps, il faut pas dire, ce cas des guerres mondiales, on joue un rôle très important dans le cas de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne évidemment. Dans le cas de la Suède, par exemple, que je mentionnais tout à l'heure, les deux guerres mondiales, la première et la deuxième mondiale, jouent un rôle assez mineur. La Suède est assez peu impliquée et c'est plutôt la mobilisation sociale, syndicale et pour le coup le succès électoral du Parti social-démocrate en 1932 qui va conduire à ce changement. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe de façon paisible. Ce sont des mobilisations sociales très fortes, des rapports de force, mais disons c'est pas extrêmement violent. Ce sont d'abord des mobilisations syndicales, de grèves, de manifestations, et qui finalement ont eu un impact sur le rapport de force entre les différents groupes sociaux. Mais voilà, ce qui est finalement peut-être le plus important, au-delà de la question le rapport de force est très important, mais en même temps le rapport de force, tout dépend ensuite du débouché politique qui est proposé. C'est-à-dire que l'histoire, le changement historique passe souvent par des crises, qui ne sont pas forcément des révolutions sanglantes ou des guerres, qui peuvent être plus simplement des mobilisations sociales réussies, qui peuvent être aussi la réaction politique
à des crises financières comme la crise des années 30, qui va jouer un rôle très important aux États-Unis, par exemple, dans le changement de politique, beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, qui a un impact beaucoup moins important aux États-Unis qu'en Europe. Donc ça peut être des réactions à des crises sociales, à des crises financières. Mais à la fin des fins, ce qui est encore plus important que la crise initiale, que ce soit une crise militaire, sociale, financière ou sanitaire à travers une crise épidémique, ce qui est le plus important, c'est le débouché qui a été mûri socialement et politiquement, et qui permet, dans ces moments de crise, de bifurcation, de choisir, de pousser une certaine trajectoire plutôt qu'une autre. Parce que certains rapports de force peuvent déboucher sur des solutions politiques qui sont pas forcément très souhaitables. Donc la révolution bolchevique, voilà, il y a un rapport de force qui permet une prise de pouvoir, un État ouvrier, un État prolétaire. Bon, avec un système ensuite qui se met en place, qui est pas spécialement émancipateur et qui va devenir très vite un système totalitaire. Donc ça montre à quel point les idées sont importantes, les idées, les idéologies, les systèmes de programmes qui vont pouvoir se mettre en place après une crise et après un changement dans les rapports de force, c'est encore plus important que l'origine du rapport de force lui-même. Si on prend le cas du Brésil que je connais moins bien que vous tous autour de cette table, mais moi je suis frappé quand même par le fait qu'on a observé dans les années 90 et dans les années 2000 dans le cas du Brésil des mobilisations politiques extrêmement fortes, donc avec l'élection de Lula, la réélection de Lula. Alors au final, tout ça n'a pas forcément débouché sur toutes les politiques et les transformations du régime inégalitaire brésilien que ce qu'on aurait pu espérer. En même temps, je pense qu'il y a quand même des leçons très très instructives pour la suite. D'abord, il y a quand même eu une amélioration de la situation des 50% les plus pauvres au Brésil pendant les mandats du PT qui doit être reconnu à travers différentes politiques, l'augmentation du salaire minimum, les transferts Bolsa Familia ou autres. Cette amélioration relative et cette réduction de la pauvreté au Brésil, cette amélioration relative de la position des 50% les plus pauvres, en même temps, a été insuffisante et en partie, elle s'est faite non pas au détriment des plus riches, des 10% ou des 1% les plus riches, mais plutôt des 40% du milieu, disons, qui ne sont pas les 50% les plus pauvres et qui ne sont pas non plus les 10% les plus riches. Et ça, c'est sans doute en partie du fait de l'absence de réformes structurelles du système fiscal, du système de propriété, d'imposition des successions, de redistribution de la propriété, en partie du fait que la capacité étatique et la capacité de la puissance publique à orchestrer ces réformes était et reste limitée au Brésil, mais peut-être encore plus aussi du fait des règles électorales, institutionnelles du système brésilien qui fait qu'on peut avoir 50% ou même parfois 60% des voix lors d'une élection présidentielle et puis ensuite ne même pas avoir la majorité au Parlement. Alors que dans beaucoup d'autres systèmes électoraux, dans beaucoup d'autres pays, quelqu'un qui serait élu avec un tel pourcentage des voix aux élections présidentielles aurait une majorité au Parlement et pourrait conduire sa politique sans avoir besoin d'être dans une coalition extrêmement complexe, ce qui peut aussi parfois favoriser des mécanismes d'échange de voix, de corruption que vous connaissez mieux que moi, et surtout qui empêche d'expérimenter véritablement une autre politique, comme on a pu le voir dans les pays. Je citais tout à l'heure beaucoup la Suède et l'Allemagne et la façon dont les droits de propriété ont été redéfinis. Il faut bien voir que les actionnaires, évidemment allemands ou suédois, ne voulaient pas du tout de cette restriction de leur droit de vote. Quand on leur a dit, voilà, même en ayant 100% des actions, vous n'aurez que 50% des droits de vote dans l'entreprise, pour les actionnaires allemands, c'était vraiment un crime contre le droit de propriété. Et donc, il y a eu des rapports de force avec des syndicats, des élections qui ont fait cette transformation. Mais il y avait aussi un système institutionnel, électoral, qui est constitutionnel,
qui a permis de rendre légale cette transformation. Par exemple, la Constitution allemande de 1949 définit la propriété comme un droit social dans lequel il y a non seulement les actionnaires, mais aussi des parties prenantes, des salariés, des locataires. Et c'est ce cadre constitutionnel et institutionnel qui a permis l'adoption de façon finalement apaisée, dans un cadre démocratique, de nouvelles règles organisant la propriété. Mais voilà, c'est lié à des conditions historiques particulières qui sont à chaque fois propres à chaque pays. Et donc il n'y a pas de recette miracle qui suffirait d'appliquer dans les autres pays. Mais en tout cas, il y a plusieurs façons d'avancer dans cette direction. Il n'y a pas, pour répondre à votre question et pour conclure, il n'y a pas besoin de forcément de chocs violents avec un coût complètement disproportionné par rapport à l'objectif atteint. Il y a beaucoup de façons finalement politiques d'arriver à ces transformations. Et on est presque à la fin de notre débat. Je passe à Tatiana pour sa dernière très rapide question pour finaliser là. Tatiana, s'il vous plaît. Oui, merci Sergio. C'est bon, encore sur l'analyse électorale qui pour nous est très importante. Parce que comme vous savez bien, je pense qu'il y a un écho là. Parce que comme vous savez bien, on a un problème électoral au Brésil, justement, avec Bolsonaro a été élu et il a un soutien expressif, justement, d'une partie de ces personnes qui ne sont pas les plus pauvres de tous, mais qui quand même sont assez pauvres. Et l'analyse que vous faites de la gauche brahmane, d'ailleurs, que je trouve intéressante, ce nom-là, sépare les votes des classes populaires des votes des diplômés. Et bien sûr, au Brésil, la situation est un petit peu plus complexe parce qu'on a les gens très pauvres qui avaient une préférence pour les PT, pour Lula, et on a les plus riches, les diplômés sont plutôt parmi les plus riches, mais on a cette couche intermédiaire qui, on peut dire classe moyenne, mais qui en fait est assez pauvre et qui, je pense, qui est un peu oubliée par la gauche aussi. Et donc, peut-être que c'est une façon de comprendre ces phénomènes électoraux qu'on a eu ces derniers temps et qui renforcent l'extrême droite. Donc, j'aimerais bien savoir votre avis. Thomas, s'il vous plaît. Oui, alors, vous connaissez beaucoup mieux que moi le cas brésilien. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons sur ce serait ridicule sur un pays que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Ce qui me frappe quand même dans l'analyse des données brésiliennes que j'ai pu voir, c'est comment le passage du PT au pouvoir a permis, disons quand même, d'étendre le soutien électoral en direction des catégories les plus pauvres, ce qui n'était pas le cas historiquement dans le premier électorat PT, qui était plus tourné sur des classes salariées, urbaines, enfin pas forcément toutes très éduquées, même s'il y avait aussi des groupes éduqués, mais qui n'étaient pas les, dans la géographie sociale du Brésil, les groupes les plus pauvres, qui ont été peu à peu acquis, disons, à la cause du PT, en partie du fait des politiques menées. C'est-à-dire qu'il y a la constitution quand même d'une coalition relativement populaire à travers les politiques menées. En même temps, voilà, ces politiques menées ont eu des limites et c'est à ça, je crois, qu'il faut s'intéresser aujourd'hui. Donc, je mentionnais le manque de réformes fiscales structurelles, de réformes de la propriété, mais évidemment, ça va très très au-delà de ça. Il y a une demande de sécurité. Il y a un discours dans le monde actuel, il y a un discours de type Bolsonaro, de type Trumpiste, de type droite autoritaire, parfois xénophobe, qu'on voit en Europe, qui est un discours qui, malheureusement, a une certaine force. Moi, j'essaye d'insister sur le fait que le renoncement
d'une partie de la gauche et des partis sociaux-démocrates, travaillistes, socialistes, à une volonté réelle de transformation économique, de passage à un autre système économique, que ce refus de débattre finalement d'un autre système économique, de la réduction des inégalités, d'être trop timoré, a contribué, je pense, à ouvrir la voie pour des discours de droite autoritaire, nationaliste, identitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète trop souvent un discours consistant à dire qu'on ne peut pas être vraiment très ambitieux sur la redistribution de la propriété, sur la réduction des inégalités économiques et sociales, à partir du moment où on contribue à un discours consistant à dire que finalement, l'État ne peut pas faire grand-chose, il n'y a qu'une seule politique économique possible et l'État ne contrôle pas grand-chose à part ses frontières, ses identités, les questions sécuritaires. Bah après, c'est ça qui contribue aussi à ce que le débat politique se concentre sur ces questions parfois d'identité, de sécurité. Donc voilà, je pense qu'il y a un besoin de remettre la question du système économique au goût du jour. Alors après, c'est pas facile de faire ça tout seul. C'est-à-dire, il y a un contexte international et un contexte idéologique global. Et je pense que voilà, ça aurait été plus facile aussi pour le PT et ce serait plus facile à l'avenir pour la gauche au Brésil si au lieu d'avoir Trump aux États-Unis, vous avez un gouvernement. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, mais le fait d'avoir Biden ou d'avoir tel ou tel type de gouvernement en Europe, ça peut permettre de développer des solutions solidaires et des projets de réduction des inégalités avec plus de coopération internationale, par exemple sur la fiscalité, sur la lutte contre les paradis fiscaux, qu'il est plus difficile d'avoir lorsque c'est Trump au pouvoir ou des gouvernements conservateurs en Europe. Donc il y a aussi une question de conjoncture internationale et de conjoncture idéologique globale au niveau international qui, je pense, est très, très importante. Bon, on est à la fin de notre débat, cette fantastique discussion. Je profite pour remercier de nouveau le professeur Thomas Piketty, Tatiana Rock, le professeur Georges Flexor. Je profite aussi pour saluer Ana Célia Castro, la directrice du Collège brésilien des hautes études, et Alexandre Fortes pour l'appui institutionnel, et aussi à Pedro Sac, vice-directeur du Centre d'études avancées. Je vous remercie à vous trois, et à la prochaine. J'espère qu'on va rencontrer Thomas Piketty ici au Brésil après la pandémie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci, et là, j'espère au Brésil dans pas trop longtemps. Oui, merci. Ok, merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, un bon, parabéns. Au revoir.